need some water. Ok, on est de retour. Bienvenue, bienvenue. Donc je vais aller un peu me renseigner pour les loups. Parce que vu que maintenant on les a croisés et tout ça. Donc la barre en bas, c'est... Bon, ça c'est bien, on a récupéré pas mal de vie. C'est la barre de qu'on avait, c'était la barre de la meute en fait. Et à chaque fois dans les meutes, il y en a au moins 3, 4, jusqu'à 4 je crois, peut-être un peu plus d'individus, de loups. Et on les combat. Et une fois que la barre est vide, donc la meute en fait fuit. Et aussi ils ont tendance à nous encercler et à nous tourner autour au lieu de... Au lieu de nous attaquer directement comme les loups normaux. Et ça, mais ça on l'avait vu de toute façon, ça on avait vu comment ils bougeaient. Donc voilà, donc déjà on en sait un peu plus maintenant, donc ce qui est pas mal. Alors, ce qu'on va faire... on va laisser ça là. Boîte de sardines, ok. On va laisser ça là. On va prendre donc la viande qui est à l'extérieur parce qu'on commence en fait à avoir un peu une pénurie de nourriture. Et on va aller... Ouais, il faut de l'eau aussi. On a du bois sur nous. Yes, ok. Et on va aller trouver un endroit pour faire à manger. Par contre, on a une aurore boréale, donc je vais aussi un peu... D'abord, on va prendre ça. Okay. On va aussi un peu regarder les alentours parce que aurore boréale ici, il y a beaucoup de machinerie. Peut-être qu'on va pouvoir faire quelque chose. Pour le moment, ça a l'air d'être tranquille. On avait fouillé ça ou pas? Je me rappelle plus. Non, on avait pas fouillé. Rien du tout. Merde, y a des loups. Ok. Là, il y a un deuxième étage. Enfin, un étage, quoi. On va le prendre. On va prendre la corde. Je sais pas où ça mène. Où est-ce qu'on est? Ok, on va suivre le chemin. Ah, fait chier, il fait froid. Oh! Message. Je ne lâche pas, j'ai mis la place ici, mais rester au-dessus d'eux. Mais ils ne veulent pas partir parce que la nourriture reste à varier. Je vais essayer de faire quelque chose dans l'atelier de Vénus, franchement. Ok. Ça, c'est bon. C'est un mec qui était apparemment bloqué par les loups. Mais il est resté en hauteur, donc... Donc je pense qu'on est... Je pense qu'on est bon ici. Il y a ça à fouiller. Alors je sais pas quand la meute revient en fait. Cool. Quand la meute revient, parce que nous on en a déjà combattu une donc. Il y a genre 2 jours je crois, on a passé 2 nuits depuis. Et je sais pas si la meute revient vite en fait. On a entendu des loups donc je pense qu'il y a encore des loups. On va où? On descend là. C'est quoi ça? C'est un sac? Oh attends! Oh! Yes! Ça tue, ça tue! On a trouvé un endroit. Par contre, le vent, là. Il y a quoi d'autre? Il y a rien. Là, un objet. C'est quoi le... C'est quoi ce système? Il faut suivre les objets? Ah merde, peut-être qu'on aurait pu aller sur le bateau au-dessus, là. La cheminée, on est où là? On est allé à ce bateau là? Oh. Ce bateau, ce bâtiment, pardon. Oh. Merde, y'a les loups. Ah. Chut, 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 chut. Ils t'entendent, ils t'entendent. Oh, cet objet. Ok, très bien. Ouais. Pour un truc de sardinerie, là, il n'y a pas grand chose, honnêtement, à chaque fois. Putain. Ah, oh, il y a des loups. Il y a des loups, il y a des loups, il y a des loups.
Je pense que la meute est de retour. On va essayer d'aller vite. Mais on est... On reste en hauteur. Ils peuvent peut-être... Peut-être qu'ils peuvent pas venir. Putain, on voit tout, c'est bien. Ah, il y a la tour là-bas. Je crois que c'est là où je voulais aller. On avait vu un pont, là. Là-bas, de ce côté-là. Oh, la vache. On avait... Oh, merde, la meute, elle est là. Ok. On avait vu un pont. Il y en a deux, là. Je crois que... Je crois qu'on va passer par le pont quand on va partir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh, il y a du bois. C'est cool. Oh la vache. Par là-bas. Là? C'est normal ce qu'on fait là? C'est du parcours. J'ai envie de lui mettre une flèche à lui, s'il bouge pas comme ça. Mais j'ai pas envie de me louper, de devoir courir après la flèche. Où est-ce qu'on va? Oh, il y a une boîte là. Comme ça? Putain, je sens que je vais tomber à un moment. Qu'est-ce qu'on fait? On continue? Enfin, de toute façon, on va pas descendre. Hein. Oh, boîte, 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 boîte. Ok, il y a un loup à l'extérieur ici. Là. On peut pas sauter. Ici. Tant qu'on est... Honnêtement, tant qu'on est en hauteur, moi ça me va. Hein. Ça me dérange pas. Apparemment là. Par contre, on a froid. Ah si... Non, si, ça a l'air d'être un chemin. Fenêtre. Là-bas, boîte, boîte, boîte. Comme ça. Donc là. À droite, il y a un truc là, par terre. Ah, c'est pour faire des balles. Là-bas, il y a du bois. Oh mon dieu, tombe pas. Ok. Ah, oh, il faut qu'on fasse du feu, il faut qu'on fasse à manger. Sac. Ok, y a rien. On va où maintenant? Là. Pas stressé du tout, c'est bien. On va courir un peu peut-être, non? Ok, attends, merde, on descend là. Où est-ce qu'on est? Oh! On avait tué le loup ici. Merde, ils peuvent monter, non? Non, 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 ils peuvent monter. Ou pas? Qu'est-ce qu'ils font? Jeter de la conserve. Ils sont en dessous de nous. Non, mais là, on serait... Oh mon dieu. Non, ils peuvent pas monter. Oh, oh, oh! Comment on entre? Ça. Clavier, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas le temps de lire. Antenne radio transmise avec une foutue de... Burt a dit que la seule sortie de l'autre côté de la montagne, le pas loin du ravin, entre le parc de Provençal... Provincial. Le tour de la côtière, le pont fait la direction de... Il y a un technicien quelque part de l'île travaille pour l'entreprise qui gère les tours. Peut-être qu'il peut nous aider tant que tu es là-haut. N'oublie pas de noter le code pour la porte de l'atelier. Quoi? Baril enflammé. Je crois qu'on va faire un feu parce que là on a froid. Là c'est la merde. Là on est en train de mourir de froid. Il y a quoi là-bas? J'ai peur à chaque fois. Genre je me retourne, ils sont tous là. Ouh. Il y en a plein. Non.
On va aller faire du feu sur, dans le baril. Oh, on va aller faire du feu dans le baril. Là-bas, là-bas, il y a des bâtiments. Et j'ai l'impression qu'il y a une petite cabane là de pêche. Là. Vous voyez? Je sais pas si on le voit là. Là. On a l'air d'être tranquille ici. Protégé du feu. Du vent. Ok, let's go. Oh mon dieu, c'est quoi cet endroit quoi. On est vraiment en enfer. Bon, ce qu'on va faire, on va faire la viande et de l'eau. Et on va rester là. Et oh merde. Arrête de t'énerver. On va rester là. On va faire cuire. On va peut-être dormir là. On a le sac de couchage, on peut dormir ici. On va peut-être faire ça. Parce que là, il y a trop de loups. Et je sais pas comment on retourne, là. Comment on repart. Je sais même pas si c'est possible de repartir. Ok. On devrait avoir chaud. Alors, attends. C'est pas assez chaud. 4 heures. C'est bon, c'est assez chaud. Fou la vache. Alors déjà on va mettre ça là. On va mettre ça là. Très bien. 18 minutes, 47 minutes. On a ça. Je sais pas si les sardines, on peut pas les manger, même si elles sont bas en pourcentage. Ça, je sais pas. Un truc qu'on va faire, c'est ça. Est-ce qu'on peut... Oh, merde. C'est à travers le... Ouais, ça réchauffe. Okay. Non, pas ça. Ah, mon dieu. Hop. Okay. Ah bah, on peut mettre le sac de couchage ici aussi. Enfin, quoique. Enfin, je préfère le mettre dans le coin. Ah, comme ça, là. La meute est partie ? Ah, c'est peut-être parce que il n'y a plus l'aurore boréale. Enfin, non, si, il y a toujours l'aurore boréale. Ça fait un bruit à chaque fois. Il y a quoi là-dedans ? On peut casser les planches. 2 minutes. Comment ça va ? Il va faire froid, je pense. On a que 3 degrés de bonus. Pas énorme. 29 minutes, on va faire ça. Ok, ça bout, très bien. Oui, on va faire ça à chaque fois, on va prendre l'habitude de faire ça. De réchauffer les tisanes, en fait. Voilà, très bien. 11 minutes, 37 minutes. Faudrait qu'on mange. On va manger ça. Faut qu'on boive, faut qu'on fasse de l'eau. Faut absolument qu'on fasse de l'eau. Faut qu'on dorme aussi. Okay, très bien, 20 minutes, on a encore 3 heures de feu. On va attendre les 20 minutes. Est-ce que... Non. Ok.
faire ça, Fagotin. On n'a plus de champignons, rien. Donc ça, c'est la merde. Alors, bon, plan de survie. Ok, ça c'est bien. On n'a pas... Oui, on a ça. Est-ce qu'on a... Oui, très bien, très bien. Plan de survie, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on va... Le... C'est un pont, ça. Ça, c'est le pont, ça. Je pense qu'on va partir d'ici. Alors, je crois qu'on va laisser les flèches qu'on a récupérées, là, les bois. Parce que... Enfin, je sais pas. Ça ferait chier, en fait, de laisser les bois. À la limite, la peau, je m'en fous, mais les bois... Je sais pas. Si on arrive à revenir au mobile home, on prend les bois. Mais avec... il fait encore froid ou pas? On se met là. Tu vois, il fait pas froid. Ah si, il fait froid. On va se mettre là. Mais sinon... Sinon, je dirais, on part directement sur la droite, là, là-bas. Et on remonte. Alors attendez, on va sortir l'arc. Comme ça, je peux montrer mieux. On va passer par le pont, comme ça. On va aller voir ça, parce que là, je vois des bâtiments. Donc, je sais pas si on peut rentrer dans un... Là, je crois que ça, c'est un... une cabane pour la... Pour la pêche. Et après, on remonte comme ça, et on retourne dans notre grotte. Je pense... Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Bon, ça on peut pas. Et merde. Prêt dans 7 minutes, 3 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? On le mange ça ou pas? Genre boîte de sardines. Parce que normalement le nom change. Là, bœuf séché Rassi. La barre de chocolat est Rassise. Et après, bon, bon état. Donc je suis en train de me dire, est-ce qu'on peut manger ça? Est-ce que on risque quelque chose? J'ai envie de tester. J'ai envie de tester. Ok. Ok, pas de... Pas malade. Okay, on va faire ça. On n'a plus de Raichi. Les loups ont l'air d'être partis. Hein. Bon, on a encore entendu des loups gueuler, mais... Donc il y en a encore. Ouais, je pense qu'on va partir directement. Je me sens pas vraiment d'aller... Je me sens pas vraiment de retourner au mobile home et de tester, de trouver le... de récupérer les bois, pardon. J'essaye, je pense à 50 000 trucs à la fois et j'arrive plus à parler. Après dans 3 minutes, eau potable 33 minutes. Faut qu'on dorme aussi. Ok, on a tout fait. Il reste plus qu'à faire de l'eau. Voilà. Il reste plus qu'à faire de l'eau et on est bon. On est à 14 sur 20 en dose. Est-ce qu'on prend une dose maintenant? Je sais pas si ça va agir en fait. On teste. Ça a marché. Ça a marché. Ah oui, on avait trouvé des nouveaux vêtements. Et ça, il faut le réparer. 22 minutes. 10 minutes. Réparer. 50 minutes pour réparer. Merde.
Bon bah on va attendre hein. Ah, ça c'est bien parce que c'est chaud en fait, ça les maintient au chaud. Et du coup ça va nous booster notre chaleur et tout ça, donc si jamais on a un problème on peut directement les boire chaud. Et on peut en mettre autant qu'on veut par terre tout autour du feu. Ça c'est vraiment vraiment cool. Ça fait longtemps que ça existe qu'on peut faire ça. Je l'avais découvert par hasard. C'est parce que je crois que j'étais à Milton. Non, je l'avais découvert avant je crois. Il y avait une cuisine et j'avais mis des trucs en fait autour de la cuisine, autour de la cuisinière pour décorer. Et quand j'ai allumé la cuisine pour faire de la viande, j'entendais en fait de l'eau bouillir. Mais c'est que ça vient d'où? J'ai pas fait de l'eau bouillir. Et après j'ai vu que les trucs en fait fumaient et étaient chauds. Enfin pas fumés parce que je pense pas qu'il y a... Ouais non, il n'y a pas d'animation, rien. Mais j'ai vu que... Quand j'ai vu vite fait, j'ai vu qu'il y avait le mot là, chaud. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait ça les réchauffait. Et ce qui est bien c'est que ça les réchauffe et ça les brûle pas. Et c'est plutôt cool. Merde. On a fait de l'eau pourrie là. Voilà. Deux litres. On va dormir. On va dormir une heure. On va dormir une heure, on va faire de l'eau, dormir une heure, etc. On va peut-être pas... Enfin, il faudrait... Je sais pas. Je sais pas ce qu'il faudrait faire, honnêtement. Parce qu'il va faire froid. Oh non, t'es sérieux. Encore 3 heures de feu. Je suis en train de me dire, faudrait partir. On va dormir 2 heures. Il y a combien de feu encore? 2 heures, 3 heures. Ah oui, il faudrait pas... Oh mon dieu, il y a un loup. Enfin non, mais normalement il est en dessous de nous. Encore 2 heures de feu, ça va. Ouais, on a beaucoup d'eau. Si, si, ça fume. Je pensais bien que ça fumait. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, ça va aller. Elle est reposée. Elle est reposée, il nous manque encore 500 calories. Bon, ça, on va les garder de côté. Ah, il faut réparer. On avait dit qu'on voulait réparer ça. Je pense qu'on va devoir partir... Merde. Je pense qu'on va devoir partir bientôt, parce que... Enfin, on peut pas rester indéfiniment ici. Ok, parfait. On a un truc à jeter. Encore une heure.
crois. Ah, il y a du loup. Ah, la barre de vie, elle est plus petite. On va pas pouvoir partir avec eux. On va pas pouvoir partir. Je sais pas quoi faire, je sais vraiment pas quoi faire. Parce que là on est un peu bloqué avec ces cons. On est un tout petit peu bloqué. T'arrêtes pas de grogner en plus. Oh là 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 là. Je crois qu'on va devoir les tuer. De toute façon, c'est ou les tuer ou utiliser une fusée. Et les fusées, c'est rare. C'est pas très chaud, en fait, ça. Non, en fait, c'est pourri. Hein. C'est mieux la chemise à carreaux, quoi. Débile. Bon, on a encore 1h20 de feu, ça va. Bon, allez, on va tester. Merde! Quel con! Faut aller récupérer la flèche. Encore 2 heures de feu. Il y en a au moins 3. C'est celui-là qu'on avait tué. Ok, on va se réchauffer. Pouf, ça va, ça va, ça va, ça va. Il nous reste encore quoi? 2 flèches? 3 flèches? Non, 2 flèches, 2 flèches. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un thé ou pas? Neige. Non, il nous manque combien? On est à 1500, il nous manque 1000 calories. On va manger ça. On va retenter encore un, on va essayer de mettre une tête. Faut attendre qu'il se calme. Faut attendre la belle opportunité. Merde, non. Si on en tue encore un, je pense que la meute casse. Donc il y a une flèche là et une flèche là à récupérer. Faut vraiment y penser. On se réchauffe. J'ai envie de prendre un thé là pour se réchauffer, mais. Une tisane, mais. Je sais pas si ça vaut le coup en fait. J'ai l'impression que ça va être du gâchis.
Plus ils ont l'air de pouvoir passer par là, donc... Parce que nous, si on trace comme ça, ils vont nous, courser, hein, ils vont nous suivre. Bon, apparemment, on attend qu'ils reviennent. Bah voilà, c'était rapide. J'espère que la barre va pas revenir. Je voulais pas trop dormir. Parce que j'ai peur que ça les régène en fait. Ou alors qu'il y en ait un autre qui remplace. Non, ça va. Le potable. On va refaire de l'eau. On a encore 1h30. 3. Ok, il a l'air d'être calmé, lui. Peut-être que... Ah, il faut bien tirer. Faut lui mettre dans la tête. Merde! Je l'ai touché, mais... Fais chier. On a loupé la tête de peu. Non, la barre, elle vient de remonter. C'est notre dernière flèche. Ça veut dire quoi? Il y en a un autre? Pardon, je sais pas quoi faire. Il n'y a plus de flèches. Si j'avais pas loupé deux flèches. Enfin, une complète. On va devoir utiliser le... ça. On va devoir utiliser ça. Qu'il y a... Oh mon dieu, la meute, elle est encore plus grande, quoi. Ah ben putain. Ah ben je sais pas quoi faire. Je sais pas du tout quoi faire, faut partir. Faut partir, ça sert à rien de rester ici. On va... On va faire ça. Faut récupérer deux flèches. Bon, on va... On descend.
Et on essaye de passer au pont, de partir dans, au pont. Avec, avec la fusée. Je vois que ça, sinon je vois... Non, sinon on est mort. Allez, on y va. Là, là, j'ai... Je sais pas. On est sur la route. Putain. Il nous a foncé dessus. Oh la vache. C'est peut-être un peu con ce que je fais, non? Il nous a foncé dessus. Il nous a pas... Ça va me dire qu'ils vont, ils vont faire que nous suivre. Il y a des maisons là-bas. La meute nous suit, c'est abusé. C'est quoi ça en face? Ah bah oui, évidemment. Sinon c'est pas drôle. Et on fait quoi là? Et on est censé faire quoi là? Ah, ils sont en train de partir. Oh mon dieu, yes, je crois qu'ils nous, laissent. J'en vois 1, 2, 3. Oh mon dieu, oui. Merci. On a bientôt le réchauffement qui est fini. On n'a rien de chaud. Vraiment, c'est froid. Non. Il y a les voitures à fouiller. Ok, ils sont en train de partir. Ça y est, la meute. Oui, oui, il n'y a plus la barre. Et là, ils sont en train de courir. D'accord. Bon, je pense qu'on est safe. Ok. Mon dieu, vous vous rappelez qu'on était sorti pour aller voir un con d'élan? Il y avait un sac dans le camion couché, j'ai envie d'aller le voir, le camion, mais il est loin.
pourquoi pas y aller. Il y a une île à gauche. On peut y aller? On dirait qu'il y a des trucs dessus. On va prendre ça. Non, on va pas aller au camion. Enfin, je sais. Oh putain! Non, ça va, ils sont partis. Okay, super, merci. Vraiment cool. Bon, par contre, il y a l'autre voiture, on va pas la faire. Ok, c'est pour pêcher, c'est vraiment pour pêcher. Là-bas, là, l'île, on peut... Non, celle-là, on peut pas, je pense pas. Là, par contre, on peut y aller, il y a des bâtiments. Il y a un bâtiment, on dirait un phare. On va aller là. Devinez quoi, faut qu'on se réchauffe la voiture. Pour la voiture. Oh, la vie qui part. Oh, je vois des maisons. Dans lesquels on peut rentrer. Ah, on est sauvé. Enfin, façon de parler. La résidence des ouvriers de la conserverie. D'accord. Faut qu'on s'abrite du froid. Non, on peut pas rentrer. Celle-là, celle-là, celle-là. Dis-moi qu'on peut rentrer. Elle est barricadée. Yes, on peut. Putain, c'était vraiment une erreur de venir ici. Ouf. Il y a des rideaux. On a quasiment plus de vie. Oh la vache. Je sais pas si on peut tenir ici, à cet endroit-là, avec les médicaments. Je pense. On voit quasiment rien, il fait presque... Ah oui, il fait presque... Le sac de couchage... Bon, on va... Je crois qu'on va devoir... Rester ici. Oh yes. On va devoir se remettre d'aplomb là parce qu'on est trop bas en vie. On est vraiment trop bas en vie. Oh, on peut faire un feu à l'intérieur. Ça c'est bien, c'est très très bien. On va devoir se remettre de la vie là. C'est parce que sinon on va mourir. On va complètement mourir. On peut pas se balader. On peut même pas... Même aller... Genre, retourner vers la grotte et partir, vous voyez ce que je veux dire? Enfin bon, là on n'a pas la carte, mais... genre remonter pour aller à Muskegmord, on va pas pouvoir le faire. Ça, on n'a pas assez de vie. On va en crever. Par contre, c'est... Enfin, je crois pas que ça pourrisse. Enfin, ça, je crois pas que ça crée des problèmes. On a encore un steak, on a ça... Ça, par contre, ça peut créer des problèmes. Qu'est-ce qu'on a comme vêtements? On a une autre veste de ski. Ouais, du coup, ça aide pas vraiment. Ça aussi. Ça aussi. On peut pêcher. On peut pêcher. Ce qui est pas mal. On a un peu de bois. Attendez, on va mettre ça là-dedans. Ouais, je me suis dit, on peut pêcher. Donc, à la limite, on pourrait rester un petit moment là, histoire d'être full vie, comme j'ai dit. Ou alors, à la limite, on peut même rester jusqu'à être soigné. Mais bon, il reste encore combien? 13 jours. Faudrait survivre ici 13 jours. Et je me vois pas trop rester 13 jours, en fait. Parce que... On n'a pas de vie.
Parce qu'on n'a pas de vie, c'est ça le problème. Et il nous faut des calories. On n'a pas de calories. On n'a plus grand chose. On va aller voir dans les alentours. J'espère qu'il va faire chaud. Parce qu'en plus il fait froid tout le temps. Il fait tout le temps extrêmement froid dans cet endroit de merde. C'est ça le pire en fait. On pourrait aller là-bas. Hein. C'est ça le pire, c'est qu'il fait tout le temps méga méga froid. Il fait de quoi? Moins 40? Ouais, moins 33, super. Oh putain. Là-bas, je crois qu'il y a des objets. Je vais regarder s'il n'y a pas des massettes. Oui, si. Faut déjà rentrer. Vous voyez? C'est horrible, hein? Ouais, avec ce divan. Chaque fois on a froid. Hein. C'est une catastrophe. Chaque fois on a froid. C'est bon, on a récupéré. Ça, je vais pas le manger, ça fait peur. On va manger ça, on va boire. Et on va dormir le plus longtemps possible pour récupérer le plus de vie possible. On n'a pas vraiment de quelque chose pour nous booster la vie. Donc ça c'est un problème aussi. On a pris notre dose aujourd'hui, donc faut attendre. On va dormir le plus longtemps possible. Ok. Je voulais mettre fin à l'épisode, mais je me suis dit tant qu'on est. On peut continuer encore un peu. On a du tissu. On a 7 tissus. On va pas perdre de temps pour le moment. Ça, on va le mettre là-dedans aussi. On a... Maintenant, on a des problèmes de calories. Ouais, maintenant, on a des problèmes de calories. On n'a plus de trucs à faire. Genre de thé et tout ça. On a du on a un peu de feu. Ce qu'il nous faudrait, ça serait... Ouais, aller pêcher, je dirais. Je dirais qu'aller pêcher, ça serait une bonne idée. Mais, comme d'habitude, il fait extrêmement froid. On va regarder dans les bateaux, s'il n'y a pas grand-chose, s'il y a quelque chose. J'ai envie d'aller là-bas, voir... Après, si on arrive à récupérer, à faire du feu, faire pas mal de feu, on peut peut-être faire du feu et pêcher. Ça peut être pas mal. Y a pas de massette là. J'ai envie d'aller voir là-bas. Hein. On va devoir se réchauffer. Il n'y a rien là sur les côtés. Non. C'est une catastrophe. Enfin, là, on y arrive petit à petit, mais... oui, ça, c'est les calories, quoi. Après, on a ça encore. Bon, ça, faudrait pas les utiliser, les Tedraichi, parce que c'est pour nous soigner. Mais bon, ça fait 120 calories à chaque fois. Après, on a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les massettes, c'est 150. On en a 26.
Je dirais que le mieux serait de pêcher, ouais, de pêcher. Il faudrait. Il faudrait. Je crois qu'on va faire ça la prochaine fois. On va s'arrêter là parce que là, ça m'a trop. Il y a trop d'aventures en une fois. Ok, trop, trop d'aventures. Donc, on a 9 bois de récupération. On a 2 cèdres. On a du charbon. Et on a 4 petits bâtons. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est. Il y a l'âtre là. 10 minutes pour ça. 10 minutes pour ça. Il n'y a pas beaucoup de bois en fait à l'intérieur. C'est récupérer le plus de bois possible. Putain, 40 minutes, bon, dommage. Récupérer le plus de bois possible et aller pêcher. Mais bon, la pêche, ça peut. Ça peut être tout ou rien, et c'est ça qui me stresse un peu. C'est que. On peut aussi ne rien avoir. Pêcher genre 4 heures et avoir un poisson, quoi, ou rien, même rien. Donc c'est ça qui me fait un peu stresser, en fait, par rapport à la pêche. Mais bon, ça serait peut-être une bonne idée. On va voir. On verra ça la prochaine fois en tout cas. Merci de m'avoir regardé et à la prochaine. C'est super stressant cette histoire-là. Pouh la vache.